Salut à tous, je m'appelle Danny Stone et bienvenue pour un nouvel épisode d'Imperator Rome avec la grande et glorieuse nation de Galicie. Donc dans le dernier épisode, on était en train de se rétablir de nos guerres précédentes qui ont épuisé nos effectifs. Donc on vient juste quand même de revitaliser nos armées, donc 30 000, 20 000 et 20 000. Cette armée de 13 000, c'est un prétendant qui a décidé de lever un peu ses soldats, il sert pas à grand chose. Il est vieux, il a 74 ans, je pense qu'il va pas trop tarder à crever et on va récupérer ses troupes, donc c'est pas une menace. Et du coup, on avait rétabli nos armées et on refait nos effectifs tranquilles. On avait également changé de politique de province. Donc comme vous pouvez voir, on a pris la mobilité sociale. Tout ça pour essayer de dégager les esclaves qu'on a et peut-être réduire le nombre d'esclaves pardon, et de tribaux. Pardon. Parce qu'on en a un sacré paquet partout et j'aimerais bien transformer les esclaves et les tribaux en hommes libres ou citoyens. Alors, comme vous pouvez voir, hein, dans la plupart de nos provinces, on a une majorité d'esclaves, quand même, vous pouvez voir, c'est un truc de ouf. Et le but, ouais, ça serait d'enlever les tribaux et les esclaves pour qu'ils deviennent des hommes libres et des citoyens. De préférence des citoyens, pour qu'on puisse générer un peu de science, ça serait bien, j'aimerais bien avancer un peu plus en tech, même si dans le coin, on est plus avancé que nos compatriotes barbares, mais c'est vrai que c'est Carthage qui me gêne le plus, eux, ils sont bien avancés, enfin 5-5-5, et j'aimerais pas trop qu'on soit derrière eux, parce que le fait d'être en retard en techno, ça fait sacrément mal. Bref, sans commenter plus, on va directement s'y lancer, bim, bam et boum. Du coup, ici j'ai quoi? J'ai mobilité sociale, là je ne l'ai pas. On va peut-être changer aussi. Ouais, on va mettre ça aussi. On va mettre mobilité sociale ici. Allez hop, on va les mettre un peu partout, histoire de faire en sorte qu'on promue un petit peu les pop nécessaires. Alors, les fonctions non attribuées, on a qui? On a le tuteur royal à mettre en place. Ouh, on a des bons là. On a des bons. Et on va mettre Kunolava Punika, 11 en charisme. C'est fantastique. Non, par contre, ça s'est pas mis en place. Ok, maintenant c'est mis en place. Nickel, bim bam boum, c'est fait. Alors, en termes de cible de guerre, on a qui comme cible potentielle? Alors, j'ai jamais pensé aux Bélaïques, parce que si je leur déclare la guerre, ils sont uniquement alignés aux Unelles, donc on pourrait franchement les péter et prendre pas mal de terres dans le coin. Et puis, ça nous amènera vers les petits états du sud qu'on pourrait peut-être bouffer un par un, donc je pense que la prochaine guerre, ça va être contre les Bélaïques. La prospérité de Ados Pontes. Le conseil d'Ados Pontes vient de nous faire parvenir un message annonçant que les récoltes, le commerce et les taxes avaient produit cette année de larges surplus. Démontrant ainsi son esprit de dévotion au pays, il a été décidé d'offrir les revenus supplémentaires à l'État. Donc ce don est apprécié, on gagne 26 balles, bon c'est que là. Soit je gagne deux citoyens de pop galicienne qui apparaissent à Ados Pontes, ou je gagne quoi en popularité et la loyauté locale de la province et la satisfaction des hommes libres augmente. Moi je veux des citoyens. Des citoyens à Ados Pontes, ce serait pas mal. En plus, c'est la capitale de la province de Galicie méridionale. Du coup, ça nous fait plus de citoyens, plus de techno, c'est nickel. Succès du traitement, donc... ah oui, on était malade. Donc notre dirigeant, Lugotorix, il avait... Je sais pas ce qu'il avait. Qu'est-ce qu'il avait? Mantagre, voilà. Donc on a payé 200 balles et boum, on n'a plus Mantagre, donc c'est nickel. Qui n'est pas loyal déjà? Donc le général... On a juste un général qui est pas loyal, donc c'est pas très grave. L'efficacité de la recherche, elle est à 29% maintenant, ça augmente plutôt bien. Franchement, c'est pas mal du tout. On avait fait des bâtiments aussi, il me semble, dans le dernier épisode. On a fait beaucoup, on a remplacé les forums par des librairies, il me semble. Oui, ou des bibliothèques, pardon, je dis toujours des librairies, mais non, c'est des bibliothèques. La terminologie est la même, mais bon, c'est bibliothèque et non librairie. Donc j'en ai fait un peu partout. J'avais fait des cités, est-ce que j'avais commencé à faire une cité ici ou pas? Ah oui, je commence à faire une cité là, donc ça c'est très bien. Et du coup, on va également mettre en place des académies et des bibliothèques. Alors quoi, on n'importe plus de sel. Dissény à la Galicie septentrionale, donc c'est dans notre province capitale. Qu'est-ce qu'on va importer à la place? Que dalle, parce que j'ai rien à importer. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Ici, c'est quoi la capitale de la province? Ici, c'est ici. Et ça, c'est une cité? Oui, c'est une cité. Donc on l'a mis là. J'ai un fort là-dessus, mais j'ai aussi un fort là, mais je le veux pas ici. Pourquoi on a un là? On va l'enlever là. On a un fort qui sert à rien, j'avais même pas fait gaffe. On va le laisser là-dessus. Ouais, c'est mieux. Ouais, c'est là, on va le laisser là. C'est très bien. Alors, développement de la cité de Varea. L'octroi de privilèges et les investissements réalisés à Varea ont permis à cette humble localité de devenir une véritable cité autrigone. S'il lui reste encore bien du chemin avant de pouvoir rivaliser avec les plus grandes métropoles de notre temps, les deux années passées semblent avoir inauguré pour elle une ère nouvelle dans le développement et l'urbanisation. Quoi? Varea passant en cité,
Ah, mais si, c'est celle-là que j'avais demandé de mettre de créer une cité en fait. Ouf, j'ai cru que c'était un événement aléatoire et du coup ça rendait un territoire aléatoire en cité. Donc c'est pas le cas. Du coup, ce qu'on va faire, on va faire la base. Académie, librairie et librairie. Allez hop, académie, librairie, librairie. Plus de citoyens, c'est ce qu'on veut, c'est la meilleure chose. Alors ici, pareil, on a beaucoup de tribaux, donc ouais, j'espère que la mobilité sociale, pardon, ça va aller. Ça va les promouvoir. J'espère que ça va faire ça. Alors, j'ai compris également pourquoi. Dans le dernier épisode, je regardais et je me dis, ah, mais pourquoi j'ai pas de promotion? C'est bizarre, c'est chelou, ça n'a pas de sens. Bon, en fait, c'est que quand on met la politique du gouverneur en mobilité sociale, dans les territoires qui sont pas les cités, les tribaux deviennent tous des esclaves. Et en fait, c'est uniquement dans les cités qu'il y a une promotion possible pour devenir des hommes libres. Ou des citoyens en fait. Donc c'est pour ça que partout, si je refuse de regarder, partout dans les territoires qui ne sont pas les cités, il y a donc des tribaux qui vont devenir des esclaves. Mais ça prend un peu de temps, c'est plus 0,55%, donc ça prend quand même une dizaine d'années à faire, donc ça prend pas mal de temps. Je sais pas s'il y a quelque chose qui va aider à accentuer un peu ou augmenter la vitesse de promotion ou de déclin de peuple. Je sais pas, faut que je regarde. Alors, bref, qu'est-ce qu'on a d'autre à faire? On peut prendre une innov. Centurie, entretien des flottes, ouais, ça on n'a pas trop. Coût d'investissement militaire dans les provinces, j'en ai pas trop fait en ce moment. Coût d'investissement civique, on pourrait. Recensement, coût de l'investissement oratoire, amélioration maximale de l'opinion, coût des triomphes, non. Recouvrement de morale navale, satisfaction des tribaux. Allez, quartier tanneur, pourquoi pas. On a beaucoup de tribaux donc encore, donc peut-être que ça va. Enfin. Peut-être que ça va aider, ça va sûrement aider, ça augmente de 5% leur satisfaction. Pourquoi pas? Quoi d'autre, quoi d'autre, quoi d'autre? Comment va-t-on faire? Toujours pas de route possible ici? Si, je peux. Est-ce que j'ai quelque chose que j'ai pas en double? Et j'ai pas de sel. Donc on va importer le sel pour avoir du sel en rab de Varduli. Hop, et ça réduit l'entretien des armées. Et ça augmente la capacité des denrées de la province de 400. C'est pas mal ça. C'est pas mal du tout même. C'est même très très bien. Ici dans la capitale, il n'y a pas de promotion possible si je regarde bien parce que ouais, si on a quelques tribaux, pas des masses. Mais les tribaux là, ils sont en train de devenir des esclaves. Mais c'est pas grave, on va pouvoir les déplacer. Ces esclaves, d'ailleurs, j'en ai une quinzaine dans la capitale. Et il en faut 23 pour faire du verre en plus. Ça fait quoi si je fais du verre en plus? Ça fait quoi? Donc, pour un surplus dans la capitale, investissement dans les technos religieuses, plus 5%, ok. Et en cas d'exportation, point de recherche, plus 5%, ok. Et ça augmente de 1% de niveau de civilisation. Donc, j'en ai peut-être pas trop besoin là-dedans. Donc, je sais pas. On va voir où on fait du durable là encore. Ou où on peut potentiellement faire du rab. Peut-être ici là, on peut faire quelque chose pour. Allez, une mine là-bas. Une mine à Aronia. Ça pourrait être pas mal, on pourrait peut-être même faire un domaine agricole aussi là-bas, où il y a le poisson, ça pourrait être utile. Et là aussi, ah ouais, là j'en ai pas fait encore, faudra qu'on le fasse là-bas. On va le faire. On va surtout faire ça. Donc en termes de présage, il faut qu'on prenne quelque chose. Qu'est-ce que je vais prendre? Production des citoyens. On pourrait prendre ça. On pourrait prendre production des citoyens. Oui, je pourrais prendre vitesse de recouvrement d'effectifs. Allez, on va prendre vitesse de recouvrement d'effectifs pour faire un maximum le plus vite possible. J'ai quand même envie d'avoir un niveau comment dire, un niveau d'effectif qui est assez élevé. Ça servira de déterrent en fait aux ennemis qui souhaiteront m'attaquer. Donc pourquoi pas faire cela? Je pourrais faire une flotte à un moment donné, mais j'en ai pas trop besoin. Franchement, la flotte, ça va juste me coûter du pognon. Et franchement, je vais juste garder mon pognon pour le moment pour qu'on puisse s'en servir pour améliorer les territoires qu'on a. Rénovation, Valbutena Galba, du fait de sa fonction de maître de la garde, vient de nous informer que l'un de nos temples les plus sacrés aurait grand besoin d'être rénové. Au prix d'un investissement suffisant, il pourrait devenir un véritable symbole de notre piété, tout autant que la preuve de prouesse architecturale de la Galicie. Donc soit je donne 300 et quelques. Non, 355 et je prends quoi? Je prends un peu de popularité, un peu de prestige. Non, c'est mort. J'ai pas les moyens pour le maintenir. J'ai pas du tout les moyens. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que je vais utiliser ça pour faire le domaine agricole. Et du coup, ça serait combien ici? Ça réduit de moins 5 les esclaves nécessaires pour surplus. Donc ça, il y a 10. J'en ai 5. Il faut que je déplace 10 esclaves qu'on va déplacer de la capitale. Donc on va les déplacer. Alors, c'est quoi ça? C'est à Aronia. Pop, déplacer pop ici. Donc à Aronia, on va en déplacer 10.
Aronia. Ah non, c'est pas Aronia, c'est à Karanikum, pardon. C'est là où il y a la capitale, c'est vrai. J'ai oublié Karanikum. Karanikum. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et j'ai pas assez de thunes. Si. 6. Ah, c'est qu'il y a un domaine là-bas. Donc je peux pas, c'est pour ça. C'est qu'il y a un domaine. Quelqu'un doit avoir un domaine et il faut des esclaves pour maintenir son domaine. D'accord. Donc là, bon là j'en ai 11, donc c'est pas grave. Donc je vais avoir le surplus nécessaire. Est-ce que j'en ai d'autres que je peux déplacer à un endroit? Faut quoi là? Il faut 15 pour avoir. Non, peut-être pas là. Là il faut quoi? Il faut 15. Ça va le réduire de 5, ça va être 10. Allez, on va déplacer les 3 de Varinia. Allez hop, pourquoi pas. Déplacer Pop, Varinia, 1, 2, 3. Quelqu'un est mort. Qui Marcus Galbus, on verra ça après. Et après on va déplacer donc 6, 4 de Lucus Augusti, pardon. Lucus Augusti, on va en déplacer 4. Pop, déplacer Pop, on va en déplacer 4. Voilà, 1, 2, 3, 4. Donc ça fait normalement, une fois que le domaine agricole est construit, ça va nous faire un petit surplus en. Comment ça s'appelle? En grain, pardon, et ça va être nickel. Alors il faut un chercheur en matière religieuse maintenant, mais parfait, on pourrait mettre Cartugnatus Galbus, donc pour enlever la famille méprisée des Galbus. Donc c'est parfait, plus 80% de recherche, pas mal, on a des bons chercheurs. Ah, on est passé à 31,10%, c'est pas mal, ça commence à venir. Ça commence à venir, ça commence à venir. En termes de tribaux, ça baisse aussi. Non, non, ça commence à venir, franchement, ça commence à venir. On va y arriver. En termes d'effectifs, on en fait toujours quand même beaucoup. 566 par mois, c'est quand même non négligeable, c'est bien. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Est-ce que j'ai. Ah, on a un autre fils. I 000, il est pas ouf. Ben, il est nul, quoi. Mais on va voir ce qu'il va devenir. Avec un peu de bol, peut-être qu'il deviendrait quelque chose d'intéressant. On verra bien. Alors là on a quoi d'autre là? Là on a quoi? Ok, là on a des esclaves ici. Est-ce que j'ai pas d'autres esclaves que je peux déplacer à un moment donné? Ici je peux en déplacer. Peut-être faire. Allez hop, on va faire une mine ici, un site minier. Il faut quoi? Il faut 15, ça va le baisser de 5, donc ça va être 10. On est à combien là? 6, il en faut 4. Les 4 de Lugia, on va les déplacer. Allez hop, pourquoi pas. Donc les 4 de Lugia, donc pop, déplacer ici. Lugia, 1, 2, 3, 4, ça c'est bon. Et normalement, quand 2000 miniers sera fait, ça ferait encore un peu plus de pognon. Pourquoi pas? Là on a du bois, donc non, on peut pas. Là non plus. Voilà, tout est bon. Là-bas, tout est bon. Je suis satisfait de ce qu'on a là-bas. Là on a des esclaves ou pas dans ces zones? Là on a potentiellement des endroits où on peut le faire. Déjà là, on va enlever ce bâtiment-là, là. On va enlever l'établissement tribal et on va faire le site minier. Ça va le faire baisser de 5, ça veut dire qu'il m'en faudra 10. Et est-ce que j'ai 10 à déplacer là-bas? Pas encore, pas encore, pas encore. Pas encore. Ok, c'est pas grave. C'est pas grave, on va attendre qu'on ait assez. Alors, qu'est-ce qu'ils veulent là? Les Celtibères, des Belaïques qui veulent des fourrures, mais eux, on va déclarer la guerre, donc non. Et du coup, c'est les Blétonésiens, c'est nos alliés, Feu de la Terre, donc ouais, carrément. Carrément, carrément, vous allez le prendre. Donc on fait toujours 30,66, c'est quand même pas mal. Alors, qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont mis un terme à l'accès militaire, mais ça, c'est pas grave. Tension en Ébocossie. Des tensions sont apparues entre des colons galétiens à Aquae Flaviae et les habitants de l'Ébocossie. Ces derniers prétendent que les colons devaient détruire leur tradition et refusent de reconnaître leurs autorités. Donc, soit on soutient les colons, et du coup, je gagne. Ah, intéressant, je peux gagner 2 pop d'hommes libres de culture galétienne à Aquae Flaviae. C'est où ça? En Ébocossie, donc c'est par ici, il me semble. Donc, Aquae Flaviae, c'est ici. Ouais, je peux les prendre peut-être. Allez, on va les prendre. C'est jusqu'en 85, c'est 10 ans. C'est pas grave, 10 ans de plus 2 en agitation, c'est pas très grave. Franchement, je suis prêt à payer ce petit prix pour avoir justement des hommes libres un petit peu en plus, c'est toujours utile. Alors, 20 000 en effectif, c'est pas mal. Pas mal du tout même.
Alors, en famille méprisée, c'est les Ikui. Ils n'ont pas grand monde dedans, donc c'est pas très grave. Ça m'importe peu. D'ailleurs, ce que je veux faire, on va faire une armée. Et oui, une armée lourde, d'infanterie lourde. Il était temps qu'on en fasse une. J'ai 30. Ouais, je fais 30 balles par mois, donc franchement, c'est pas mal. Ça coûte combien en entretien les. Je sais pas combien ça coûte, on va voir. Donc, c'est recruter des cohortes, voilà. 0,42. Donc, ouais, on peut maintenir. On peut maintenir. Allez, on va le faire largement. Franchement, on peut maintenir large une dizaine. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ça, c'est nickel. Donc, ça, c'est 10. On va faire 10 archers. Donc, 1, 2, 3, 4. Non, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et ensuite, est-ce que je fais de la cavalerie lourde? De la cavalerie légère. Peut-être de la cavalerie lourde pour celle-là. Allez hop, on va faire de la cavalerie lourde. 1, 2, 3. Ah, je peux qu'en faire 3. Bon, c'est pas grave, c'est vrai que j'utilisais tous mes effectifs quand même pour générer cette grosse armée. Donc là, on va les rassembler peut-être ici, là. Ou quoique, c'est un peu lourd. Hein. C'est vrai que je les rassemble quelque part où je peux les maintenir sans problème. Donc voilà, on va les maintenir là. Ouais, donc cette armée de 20 000, on va les mettre ici à l'Aterrenum. Et du coup, on mettra là, c'est quoi? C'est 43 à la limite de ravitaillement. Donc on va le mettre là-bas, carrément. On va tous les rassembler ensemble. Et puis après, on va les mettre là-bas. C'est où? Kamarika. Kamarika, c'est là-bas où on va le mettre en place. Quelqu'un est morte, morte de dysenterie. Donc elle, pareil, s'est chiée dessus jusqu'à sa mort. C'est pas mal. Et c'était quoi elle? C'était le grand prêtre. Et je vais mettre Galana, tiens, allez, c'est une famille méprisée. Ça va enlever le mépris, c'est parfait. Il est pas trop mal, là, 7 en ferveur, donc ça va, ça passe. Ça passe, ça passe, ça passe. Toi, tu vas aller ici, du coup. Les 3 là, c'est pareil là-dessus. Allez hop, on va tout déplacer. Vous allez aller ici, à Kamarika. Et du coup, il faudrait donc 7 unités d'infanterie lourde en plus. Donc, il faut que j'attende que j'ai 7 000 en effectif. Ouais, on fait quand même 25 balles, quand même, c'est quand même beaucoup. Franchement, même avec tout ça, on génère quand même 25 balles. Donc, franchement, ça vaut largement le coup. On est passé à 103 cohortes, c'est beaucoup. Est-ce que Carthage, ils en ont combien? On n'est pas très loin. Pas très loin. Il y a encore un petit bout de chemin à y aller, mais au moins, on se fera moins pousser. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Donc j'ai un fort là-bas. Mais là-bas il sert pas à grand chose. À Velia là. Là je peux peut-être l'enlever. Voilà, on va l'enlever ce fort, il sert pas à grand chose. Donc on va l'enlever. J'ai pas besoin d'autres forts normalement. Non, les autres. Les forts sont plutôt bien placés. Donc ça me gêne pas du tout. Allez hop, on va les rassembler. C'est quoi le poids de l'armée? De l'armée et de 27, ouais, franchement, on les maintient large et très très large ici. Donc, ça, c'est l'armée de la région. Peut-être les entraîner, tiens. Allez, hop, on peut facilement le maintenir. Bon, on va se préparer bien à la guerre, bien comme il faut. Donc, on fait combien? On va voir la fin du mois, même avec l'entraînement, combien on génère. On génère 24-48 à la fin du mois. On va bien voir combien on génère. Alors, c'est bon. 23, ouais, on peut même mettre en entraînement une autre armée. J'ai pas envie de faire celle-là, que c'est quand même une armée lourde, avec de l'infanterie lourde que j'ai envie de garder. On va voir l'événement après, je vais juste voir si on peut. Donc eux, ils sont assignés à la région, c'est normal. Ils réduisent, ouais, eux, ils réduisent du coup en Tarraconaise, c'est ça. Tarraconaise. Il est pas très loyal le gouverneur, j'aimerais bien. J'aimerais bien faire en sorte que le gouverneur y m'aime un peu plus. On verra après l'événement. On verra après l'événement. En tout cas, on va le mettre en entraînement. Carrément. Comme ça, lui, pareil, on va essayer de le faire en sorte qu'il ait un peu d'expérience. Pillage, j'ai un groupe de soldats de l'armée commandée par Cartorites Divicus. Donc ça, c'est le prétendant qui nous aime pas. Tandis qu'elle était stationnée dans une région en paix, s'est éclipsée, pardon, pour aller piller la cité d'Aquae originée tout proche. Qu'est-ce que je fais du coup? Donc la décimation est indispensable, je perds des effectifs, le général perd en loyauté, et je prends de l'agitation. Ou nous pouvons nous mettre Carthorite à dos. Ouais, par contre, non quoi. C'est mort quoi.
C'est mort, c'est mort. Oh, ça fait mal la carte aurite. Là, on a un peu de... Est-ce qu'on a un peu de d'agitation dans le coin? Non, pas tant que ça. Pas tant que ça, pas tant que ça. Alors, donc lui, il s'entraîne. On fait toujours quoi? 22-32, donc c'est nickel. Quelqu'un est mort en flagrant délit. Cartorites dit... Ah ben, je pense que c'est le général, là, non? Et ben voilà, il est mort. Il est mort, il est mort. Donc parfait, là, on va voir ce qu'on peut faire avec cette armée. Il y a peut-être moyen de... former une nouvelle force. On va dégager ça. On va dégager l'infanterie légère. Sélectionner, on va vous virer. Déjà. Donc ça, on va peut-être former une autre petite armée lourde. Avec ça, on a l'argent pour le faire, donc pourquoi pas. Pourquoi pas, pourquoi pas. Ici, déjà, on va adjoindre à l'armée. Donc 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc voilà, un peu plus... un peu plus d'infanterie, un peu plus de cavalerie lourde. Donc on génère quoi, 18,85 toujours, c'est toujours pas mal. Là franchement, autant augmenter la taille de nos troupes et de bien les entraîner. Ça peut toujours être utile. Ici, peut-être mettre en place un général, ça serait bien d'en mettre en place un. Quelqu'un qui est bien. Lui, il est content, lui, il est loyal. Sa famille est méprisée, les Iquis, les Iquius. On va voir comment ils sont. On peut le mettre à la tête de cette armée. Allez, on va le mettre à la tête de cette armée légère. Ça va enlever la famille, le côté famille méprisée. Il m'est loyal maintenant. Et pareil, on va le mettre en entraînement. Allez, hop, entraînement, pareil. Histoire d'avoir des armées qui sont bien, bien performantes quand même. On sait jamais. On sait jamais. Donc il me faut... Ben parfait, je peux adjoindre les 2000 restantes. Donc adjoindre à l'armée. Une, deux, voilà. Donc ça c'est parfait, c'est nickel. Prendre une innove. Coup du sacrifice au dieu, ça peut être pas mal. Hop, on va le prendre. Parfait. On va également peut-être sacrifier un cochon pendant qu'on y est. Allez hop, ça coûte 37. Donc on augmente de combien? De 0,28 par mois. Parfait, il faut atteindre ce seuil là, passer ce seuil de 50. Ce serait nickel. L'expansion agressive diminue tranquillou. Oh, il est en guerre contre qui? Contre les calures. On va regarder ça. C'est la guerre quoi? La guerre calure-bélaïque. Mais c'est qui les calures? Ah, c'est eux. On va voir ce qui se passe. Déjà, on va quand même fabriquer une revendication. Pourquoi je peux pas fabriquer une revendication? Ces terres sont occupées, c'est peut-être pour ça. Ah, bah non, il y a la montagne qui bloque. Ah, mais c'est pas drôle, ça. Donc on va déclarer, on va faire une revendication sur les Arévacs, là, du coup. Comme ça, ça permettrait d'avoir une frontière avec lui, avec les Bélaïques. J'avais pas fait gaffe, donc fabriquer une revendication. Allez, hop. Et du coup, il est borné. Notre mec a pris borné. Ça fait quoi, ça? Finesse plus 1. Ah, par contre, rapidité de recherche, moins 10, par contre. Ça, c'est pas cool. Mais satisfaction des tribaux, plus 25%. Bon. On est à passer à 32 maintenant, ça augmente, ça augmente, ça augmente. On fait quoi, 15 balles par mois maintenant, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Je vais même prendre une gorgée d'une bière pour célébrer ça. Santé à tout le monde. Ah, Dieu que ça fait du bien. Alors, ici, on ferait peut-être une petite armée, pas beaucoup. Une petite armée choc. Peut-être de 20 000 aussi, ouais. Ça pourrait être pas mal. On est à quoi là? On est à 105 cohortes. Ouais, 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 on peut... Ça peut être pas mal. On va peut-être faire une autre petite armée de 20 000. Ça, on aura deux armées de 30 000 et trois armées de 20 000. Franchement, on serait largement suffisant. Et j'avais oublié d'enlever play. Excusez-moi, j'ai fait une bêtise. On va regarder donc comment ça se passe ici. Comment ça se passe? Comment ça se passe? Ok, on est en train d'enlever les tribaux du coup de la cité. Ça, c'est pas mal. Donc, je pense qu'une fois que les tribaux, en fait, sont enlevés de toutes mes cités, je changerai la politique, je mettrai en mode centralisation dans les capitales. Comme ça, les tribaux et... Enfin, les pop tribales restantes vont migrer vers la capitale des provinces. Et ensuite, on mettrait la mobilité sociale pour les enlever, justement. Mais la politique est en train de marcher, je pense. Ça marche, ça commence à marcher. Donc, on a fait un site minier ici. Ok... Est-ce qu'on a des ressources en rab là, que personne ne veut venir nous voir, enfin personne ne veut venir choper?
Ouais, on a des méthodes basiques ici. Quelqu'un va venir à un moment donné, j'en suis sûr. J'en suis sûr et certain. Mais voilà. Les Auxéliens veulent les méthodes basiques, il n'y a pas de problème. Ça fait plus d'argent. Ici, on peut peut-être faire quelque chose. Je suis pas trop sûr, on va voir. Deux esclaves ici, un esclave là. 18 ici. Oh bordel. Là, on a quoi? Là, on a 4. 4. Ouais, là, on peut faire un truc. Peut-être pour les métaux précieux. Donc on va détruire ça, on va faire la mine. Donc c'est 15, donc ça va être 10. Donc on va déplacer des pop là-bas. Donc peut-être à Laborica les 4, on va les déplacer ici. Donc pop, déplacer pop ici, de Laborica. 1, 2, 3, 4. Donc ça fait 4 de plus, donc ça fait 8 normalement. 8, après il m'en faut 2. Peut-être d'ici là. De Nova Augusta, on va en déplacer 2. Pourquoi pas? De Nova Augusta. Nova, 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 Nova. Une, deux, ça c'est nickel. Donc là on a les 10. C'est parfait. Ensuite, est-ce que j'ai d'autres possibilités ici pour faire du surplus? Non, j'en ai pas ici. J'en ai pas d'autres possibilités. Alors ici, j'ai peut-être des possibilités. On va les regarder. Donc c'est vrai que j'avais fait une mine ici. Donc il me faut 5 esclaves. Alors on va regarder ça déjà. On va juste faire cet événement. Osmose culturelle, cette tutrice que nous avons recrutée pour veiller à l'éducation de Bricusa. Donc notre héritier est une culture suffisamment étrangère pour le convaincre que ses coutumes sont supérieures, mais non. Mais c'est un bug parce qu'elle perd pas sa fonction tutoriale, elle reste. Et on perd pas de malus en fait, donc c'est chelou. Donc là on a un esclave, là on a un esclave, un. En fait on a un de partout à côté, donc on va tous les centraliser à Betouri. 5 à Betouri. Donc une. 2, 3, 4 et 5. Donc là, ça fait les 5 centralisés ici. Ça fait du surplus en fer, c'est nickel. Et ça nous permet d'exporter ça pour avoir un peu plus de pognon. Ici maintenant, on va quand même vérifier les autres endroits. Alors là, j'en ai 2, 1, 3. Peut-être un surplus d'étoffe. Ça pourrait être pas mal, mais il en faut 15 par contre. Et ça me gêne. Ah bah ici, tiens, il en faut 10, donc on peut peut-être les déplacer là. Allez, on va déplacer 10 là-bas. Donc pop, déplacer ici. Donc, une, deux, alors, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et allez, 10. Bah, là, ça fait les 10, même 11, j'ai même trop calculé. Donc ça fait une ressource en plus là-bas, donc c'est parfait. Quelqu'un va peut-être venir nous le choper à un moment donné. Il nous faut un chercheur dans le domaine de l'oratoire. Ah ben Vassora Odaxa, tiens, elle est très forte, 11 en finesse. Bam, toi, tu vas grave aider. Voilà, là on a déjà les demandes. Donc les Duitikiens veulent importer le fer, donc il n'y a pas de problème. Prenez ce fer, ça fait toujours un peu plus d'argent. Bah franchement, on explose en pognon là, c'est quand même magnifique. Ici, on va adjoindre à l'armée par contre. Donc 4, donc ça allait, ça fait faire 5, 3, 4, 5, et 1, 2, 3, 4, 5. Allez hop, on va faire avec ça, on va voir ce que ça va donner. Donc là, on est à 107 cohortes, on a là beaucoup. Les Dumoniens veulent importer du cuir, mais y a pas de problème les gars, y a pas de problème, on a fait tous ces changements, c'est pour vous. C'est pour faire du commerce, c'est pour avoir du pognon. Donc franchement, venez les choper. Venez, venez, venez. Sûrement allié avec qui eux déjà? Les Dunikiens et les Sédentans. C'est dommage que eux, j'ai pas une frontière commune, j'aurais bien aimé prendre leur terre. Et eux pareil, j'aurais bien aimé prendre leur terre. C'est pas grave. On fera ça. Alors on va prendre une innov. Peut-être perfectionnement des murs. Allez, entretien des flottes, on va le prendre juste parce qu'on peut. Allez hop. Et surtout que quand on va essayer de faire une flotte, au moins c'est utile d'en avoir d'avance. Des tribus demandent à migrer, c'est quoi ça? Des membres des tribus résidant aux alentours des Djella ont demandé la permission de franchir la frontière pour passer en territoire blétonésien. Leur demande est accompagnée de la promesse de compensation généreuse, mais les autorités sur place sont réticentes à laisser partir ces travailleurs lucratifs. Alors, Jella, c'est où Jella? On va aller voir. Jella, c'est là.
Ouais, franchement, allez-y, hein. J'ai pas envie d'avoir la satisfaction des tribos locaux, moins 25%. Déjà, on a beaucoup de tribos, là, c'est beaucoup de pognon pour 4 tribos, donc allez, hop, partez, partez, partez. Ça me permet de prendre Centurie. Allez, hop, prendre les technos. D'ailleurs, ça avance ou pas? 34%, ça avance, ça avance, ça avance. C'est long, quand même, tout le processus de faire changer, en fait, les tribos en hommes libres et citoyens, ça prend vraiment du temps. Qu'est-ce qu'ils veulent, la tour du lit? Méthode base, pas de problème, prenez, prenez, toujours plus d'argent, prenez, prenez, prenez. Donc là, on a une petite armée de 15 000. On va peut-être le laisser en place au gouverneur ici, pourquoi pas. Juste pour réduire un peu la tension qu'il y a. Il y a quelques petits endroits de tension. Oh non, non, même pas la peine, pas la peine, pas la peine, pas la peine, on va pas faire ça. Alors en termes d'expérience, ça va, on n'est pas trop mal. D'ailleurs, on n'avait pas des nouvelles tactiques avec nos traditions. Ouh, on a feinte. Ouh, c'est bon ça. Allez, on va prendre feinte hein, pour les armées légères là. Ça a l'air de bien marcher, non? Donc feinte à 85%. Ah ouais, c'est fabuleux ça. C'est fabuleux, c'est fabuleux. C'est fabuleux. Donc on a pris les feintes. Là, c'est quoi ça aussi? Feinte aussi, nickel. Tout est en feinte. Non, tout est bon, tout est en place. Et je pense que cela, ça va être un bon moment de terminer l'épisode là-dessus, tout le monde. Franchement, c'est fait une bonne demi-heure que j'enregistre et j'ai pas envie de faire ça trop long. Bref, comme d'hab, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à balancer un like, je vous en serai très reconnaissant. Et comme d'hab, merci pour votre soutien et je vous dis tous à la prochaine pour un nouvel épisode d'Imperator Rome. Allez, salut tout le monde, bye bye!